préparation se passe bien. On a travaillé dur la semaine dernière. Et là, je pense qu'on va finir de peaufiner un peu tous les schémas, un peu tout notre système de jeu. Et voilà. Ouais, tout le monde est concentré, tout le monde est, comme je disais tout à l'heure, tout le monde arrête de lâcher les chevaux, quoi. Voilà, tout le monde travaille dur. Chose qu'on fait depuis le début de la saison, et particulièrement depuis la coupure qu'on a eue, tout le monde travaille dur. Même physiquement, on a rajouté, nous, les joueurs, à l'initiative de Bruno, une séance samedi matin. Tout le monde est venu, personne n'a rechigné. Donc, ouais, tout le monde est prêt à faire les efforts nécessaires pour remporter ce match. Je me sens bien. Les 5 semaines de repos, de coupure, a permis de soigner un peu tous les petits bobos. Après, voilà, maintenant. Hâte de disputer ce match, un peu hâte que l'arbitre siffle le coup de sifflet, le coup d'envoi, parce que je pense que c'est le perdant qu'on aime le moins avant les matchs. Et voilà, après, non, troisième finale, quand t'as la finale de la coupe, ça faisait partie des objectifs. On s'est un peu loupé sur la Coupe de France. Voilà, maintenant c'est notre. On a atteint un des objectifs maintenant sur un match. Voilà, il faut tout faire pour essayer de le gagner, et je pense qu'on va tout faire pour. Carca est une équipe surpuissante, a de gros avants. Ils ont des joueurs d'expérience, Gressel, Towers, qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Donc une équipe très dangereuse dans tout le secteur du jeu. Efficace également en défense, qui met beaucoup d'agressivité sur sa ligne. Ils ont eu une petite période de moins bien il y a quelques temps. Et je pense que tout est rentré dans l'ordre. Ils viennent de mettre 80 points en 2 matchs. Donc, je pense que Carca fait figure de favori cette finale. Et voilà. Après, à nous de faire un très grand match pour pouvoir espérer l'emporter. On a une bonne organisation. On a des joueurs qui savent faire la différence. Nous, après le reste, je pense qu'on est de bons soldats. On fait le travail pour les autres. Et ensuite, vraiment notre gros point fort, c'est le mental. Voilà. On lâche rien, on se bat les uns pour les autres. On est vraiment une équipe soudée, en dehors, mais sur le terrain. Donc, on lâche rien. Voilà.